Je m'appelle Aurore de Shall We Swing et je vous propose une routine de solo blues sur la chanson de Sharon Jones, This Land is Your Land. Il s'agit d'une chanson construite sur 8 x 8. Donc c'est pas un 6 x 8 qui est une structure de blues, on va dire, plus classique, mais une structure swing qui n'est pas sur 4 x 8 mais sur 8 x 8. Parce que comme vous avez entendu sur la musique, on a un break très très long qui fait presque 2 8 entiers sur le 7e et le 8e 8. Donc maintenant, le détail de la chorégraphie. Je vous présente Tanguis, mon chat. Le détail de la chorégraphie, les deux premiers 8, ce sont des camel walk. Je montre de dos. Je vais commencer avec ma jambe droite. Donc je tombe en glissant sur ma jambe droite et ma jambe droite étendue. 2, je ramène ma jambe gauche. 3 et 4. Je fais des changements de poids juste en levant les talons. Je remonte. 1, 2, 3 et 4. Pareil avec la jambe gauche. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Donc une fois que je suis arrivée ici, ma jambe droite est libre pour enchaîner sur des fishtails. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour rappel, le fishtail, on peut imaginer, déjà c'est un pas qui recule, et on peut imaginer qu'on vient s'asseoir un peu en diagonale. C'est presque une révérence en fait. Hop, 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 hop. Du fait que la chanson est très rythmée, mes fishtails, je les fais un peu plus petits. Donc c'est quasiment juste de la marche qui recule. Comme ça, des step touch. Mais je veux marquer tous les temps avec mon centre. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il est possible quand même de marquer un peu le mouvement de fichier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut juste le penser de la largeur du bassin, de ne pas chercher trop loin. Dès que c'est plus loin, quand on descend, ça devient compliqué de marquer chaque temps au niveau du groove. Voilà. Du coup, on est arrivé à la fin. 5, 6, 7, 8. Ma jambe droite est de nouveau disponible pour faire un pas latéral qui va vers la droite. Je ne sais pas s'il a un nom, moi j'appelle ça le tiré de corde. Donc je vais mettre mon poids sur ma jambe droite et mon buste aussi se décale vers la droite. Donc imagine, je commence à tirer ma corde. Ça fait 1 et 2. Là, j'ai ramené ma corde vers la gauche. J'ai fait et 2 en faisant gauche-droite. Mais attention, je n'ai pas d'appui encore sur ma jambe droite. Ça va et 2 et 2. Pas de poids. Je le mets à 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Donc mon appui de transfert de poids sur la jambe droite se fait toujours sur les temps impairs. 1, 3, 5, 7. Je remonte. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Au niveau des bras, c'est très libre. Vous pouvez mimer le tiré de corde. 1 et 2, 3 et 4. Ou on peut se la jouer un peu Beyoncé et mettre la main devant. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Plein d'options sont possibles. N'hésitez pas à jouer avec vos bras. Ça permet de créer votre propre style de danse. Je suis arrivée au bout. 7. Et 8, à 8, je veux transférer cette fois-ci sur ma jambe droite parce que je veux repartir de l'autre côté avec ma jambe gauche et faire un petit camel walk. 1, 2, 3. Donc si je fais le dernier tiré de corde, 7 et 8, 1, 2, 3. Je le fais encore une fois. 7 et 8.
je vais ouvrir, 4, et quand je referme, je vais faire un boogie drop, boogie drop. Au niveau des comptes, je me refais, c'était pas bon. 1, 2, 3, 4, 5, boogie drop. Donc mon boogie drop est sur 6, 7, 8. Boogie drop, pour rappel, on part fermé. Moi, je suis en appui sur ma jambe gauche. Touch, touch, tombe. Et c'est toujours agréable d'accentuer ce tomber. Ça permet de changer un peu de niveau et avoir une belle ligne là. Je peux le faire aussi du côté gauche. Boogie drop. Donc, avec tout ça, on a nos 4 premiers 8. On le refait ensemble depuis le début. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je suis en appui sur ma jambe droite à 8 puisque je tombe dessus. Je vais ensuite libérer ma jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en fait, c'est un mouvement de boogie forward, mais je ne veux pas avancer. Boogie forward, pour rappel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc cette fois-ci, mon jeté, mon petit fouetté de pied, je veux me faire emporter par ma jambe sur le côté. Ha, tombe, ha, tombe, ha, tombe, ha, tombe. Donc pour ce pas-là, on part bien du pied gauche puisque je suis tombée à 8 ici. 5, 6, 7, 8. 1, tombe. 3, tombe. 5, tombe. 7, tombe. Donc je suis de nouveau en appui sur mon côté droit. Je fais des walks. 1, 2. Donc c'est juste mon bassin qui va derrière et retourne devant. Et ensuite je fais un boogie drop sur la jambe gauche. Boogie drop. Du coup, ici, on a un moment où la musique s'arrête. Donc, on a 6, 7, 8 pour amener tranquillement la jambe. 6, 7, 8. Je veux la croiser devant cette jambe droite, devant ma jambe gauche. Et je tourne, mais je fais un 3 quarts de tour. 1, 2, 3, 4. Et je finis mon dernier quart de tour en faisant un petit cercle de hanche. 5, 6, 7. Et à 7, je veux marquer l'accent qu'on a sur la musique à ce moment-là. Il y a un petit break. Ha. Si je le montre de face, ce sera peut-être un tout petit peu plus clair. Donc, j'étais sur 8. 1, 2, boogie drop. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et à 7, je libère déjà ma jambe droite. Comme ça, je peux reprendre la chorégraphie. 1, 2, 3 et 4. Donc, on va le refaire ensemble avec les comptes vus de dos, comme ça, pour les faire avec moi. Donc, vous avez remarqué, à la fin de l'introduction, la chanteuse dit « This land is your land » et le 1 tombe juste après « land ». Donc, il ne faut pas louper le départ. Alors, en musique, c'est reparti. Et 4, 5, 6, 7 et 8. 1,
connaissez maintenant toute la routine. Donc, n'hésitez pas à pratiquer, à vous filmer et à nous envoyer les vidéos. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir danser. Et je vous souhaite à tous une excellente pratique.